Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais transformer ce couloir du Lot en ventre glisse. Mais on va pas se contenter de glisser dessus comme ça sans rien. J'ai prévu des gages, des récompenses. C'est parti. Alors, ça tourne, paf. Ce ventre glisse est composé de trois éléments. De l'eau, du savon et du lubrifiant. Un peu de lubrifiant. J'en ai acheté 12 litres et j'ai gardé 1 litre pour là. Le reste, je le garde pour moi. Faire des ventres glisses chez toi? Ouais, ouais, c'est ça. C'est possible que la vidéo ne sorte jamais. Hein. Là, pour moi, c'est ok, on glisse. Oh, c'est le tableau électrique derrière. Oh, ouah, ça a l'air de bien glisser. Tout le monde est là, explication des règles tout de suite. Avec un arbitre. Parce que j'ai un lumbago et je peux pas participer. J'ai vraiment 30 ans, quoi. Participant, Théodore. Un peu musclé quand même. Moi, tu. Ouais, vraiment. Et Thomas, qui lui, on a prévu qu'il traverse le... Il va y avoir trois zones. Déjà, il y a 30 mètres de glisse. Une zone délimitée par un scotch rouge, une zone délimitée par un scotch orange et une zone délimitée par un scotch vert. Qu'est-ce qui se passe? Trois types de gages ou de récompenses selon le niveau. Arnaud, qui est évidemment la meilleure personne sur cette planète. Vraiment, j'ai l'impression que vous essayez de m'acheter. Mais n'importe quoi. Je vous explique tout le challenge de ce ventre glisse. Première zone, beaucoup de chance d'avoir des gages, peu de chance d'avoir quelque chose de cool. Deuxième zone qui est un petit peu plus loin, autant de chances d'avoir un truc pourri qu'un truc génial. Ah, dedans c'est mélangé. Il y a du pas bon comme du bon. Tu peux gagner 7000 euros. Mais genre, non, vraiment? Non. Celui-là, c'est celui que vous voulez tous. Une chance sur 7 d'avoir un truc nul à chier. Tous les autres trucs sont exceptionnellement cool. Du coup, c'est la zone la plus loin. C'est la zone la plus loin, évidemment. Tout est déterminé par la tête et pas les pieds. Faut que ce soit la tête qui passe la ligne. Et une dernière chose, si par chance tu dépasses tout ton corps de la ligne verte, là c'est un cadeau vraiment cool. Oh, par exemple, ok, tu nous le dis maintenant, vas-y, chouchou. iPhone 13 Pro. Il a déjà gagné. Oh, je peux en avoir un deuxième. L'iPhone 13, tout de suite. iPhone 13. Les gars, il y a une règle en plus. Tout cri annule l'iPhone 13. Okay, iPhone 13. C'est parti. Wow. Les amis, s'il vous plaît. C'est tellement dans la zone verte là, non? Mais quoi? C'est trop facile en fait! J'ai tout arraché, j'ai tout! En fait, on va tous gagner un iPhone. Oh, moi aussi, je glisse un nique sa mère le lumbago! Non, mais vas-y, je vais refaire les lignes. Vraiment, mon coup de sifflet m'a explosé les oreilles. Tu refais ton premier saut du coup? Ouais, bah ouais. C'était trop simple. Hein. Poussez-vous, stop! Attention! Il y a un saumon là au bout de la piste. Les gars, il y a Joey Cabillo là-bas. Joey Cabillo. Arbitre, j'ai atterri dans quelle zone? Orange. J'ai atterri dans la zone orange. Tu veux ma main innocente ou tu veux utiliser ta main? Monsieur l'arbitre, j'aimerais votre main innocente. Celui-ci. Tu as l'opportunité de décider du t-shirt que portera une personne parmi toutes les personnes ici présentes pour toute une journée avec preuve dans ton prochain vlog. C'est un petit truc sympa quand même. Petit truc sympa. Ça peut être un bête de t-shirt, ça peut être... Enfin, c'est pas précisé. C'est son choix. C'est son choix. Bah du coup c'est à Théo là. Ouais. Allez, bref. Vas-y, vous êtes trop chiants. Oh là là. C'est une bête sauvage. Les gars, attendez, y'a Jordan, il... Tu peux regarder ou pas? Ouais, vas-y. Mais c'est doux en plus d'être dur. Okay. Oui, c'est dur et doux. Mais c'est Thanos. Wow. Arrêtez, vous êtes. C'est Thanos, les gars. Ouais, c'est froid. C'est froid comme ça? Ouais. Allez, je savais pas. Allez, arrête. Et si t'es là-bas et que t'es sur l'eau et que tu bouges plus, tu seras Maston. Là, en gros, on est bien. Messieurs, s'il vous plaît, déjà que mon rôle est pas passionnant, si on pouvait me respecter. Ok, ta gueule. 1, 2, 3. C'est la merde. C'est vraiment Maston. Il a une chance sur 15 d'avoir un truc bien, genre. Une chance sur 15 d'avoir un truc cool, t'as dit? Wow. Attention. Mais pourquoi ça marche comme ça ici? Cette belle carrosserie. Zone rouge, ça fait mal. Théo? Ouais. Viens, toi et tes 6 potes là. Je parle de tes abdos. Tu dois descendre des escaliers puis tout remonter. Voilà. Oh, c'est vraiment chiant. Oh putain, je vais croiser des gens en bas. Il est magnifique, hein. C'est une belle personne. Une statue grecque. Parlez de moi, les gars. Parlez de moi, les frères. Ouais, je sais, je suis bien bâti. Ouais. Je me regarde pas dans les yeux. Trop bizarre. En fait, ce que je lui ai pas dit, ouais, c'est qu'il est super beau. Ok. Je lui ai pas dit ça. Ça n'a aucun sens. Je vais choper des sales trucs au pied. Mais on aura bien rigolé. Je trouve que ça glisse bien. Je suis content. N'hésitez pas à glisser dans les commentaires pour laisser un petit com. Je peux boire ton Joy Coca? Ouais. Ah non, il y a quelqu'un qui descend. Comment je vais dire que je travaille ici? On en est toujours au premier tour. Je suis le moins musclé de tous en fait. Bah, t'as vu ma gueule ou. Enfin. Mais toi, t'es sec. Ouais. Mais si tu te mets à la salle, tu seras comme Théo. Mais j'essaie, mais flemme. Mais comment ça, flemme? Enfin, non, pas flemme, mais. Oui. Quoi, tu veux quoi? Laissez-moi tranquille. Non. Faut que j'en rende tout. Vous avez des trucs à dire pour moi? Toi, t'es un putain de bœuf, mec.
Et voilà, toc. Re l'équipe. Je peux te manger un téton? Ok. Les bureaux donnent tout ce qu'ils entendent, genre, ils sont assis à un bureau. Et bah les gars, c'est beau jusqu'à maintenant. Les gars, le genou de Thomas juste ici, what the fuck. Il est exactement là où était Jordan tout à l'heure. Oh bien. Tu sonnes n'importe comment toi, tu fais tomber 100 kilos sur une couille, évidemment qu'elle a mal. Bah tu veux qu'il fasse comment? Cambré mais avec le cul sorti. Tu scrolles ta galerie, tu postes une photo au hasard sur Instagram. C'est trop chiant. Ouais, c'est vraiment c'est chiant, vraiment. Il a battu presque un record et tout, il doit faire un truc vraiment nul à chier. Scroll post, ça ferait chier. Un petit téton de fire comme ça. Oui. Putain, mais je publie jamais rien, ouais. Là, la première photo après celle où j'annonce le lot, c'est ça? Exactement. C'est moi, c'est toi, en vrai. Ah stop. Ouais. Je crois que c'était toi. C'est lui qui boit la bière et qui la recrache. C'est Théodore. C'est Théodore, c'est bizarre. C'est validé. Oh, bah, je suis bourré. J'ai le seum, ouais, j'ai rien posté depuis 3 mois, je mets ça, vraiment, ouais. Vraiment, ça m'énerve. C'est top, c'est top. Ça va, je le vis bien. C'est faux. J'ai l'arbitre, vous validez le gage. Eh, je suis énervé. Comment en faisant orange comme ça? Gage validé. Ok, c'est à Théodore. Allez, croyez en moi, tu crois en moi, arbitre? Oui. C'est noir. Oh là là. Je vais même pas les mesurer, ça. J'ai honte. Il a pas le rouge. Mais non. Et quoi quand t'as pas le rouge? On a même pas prévu de truc tellement c'est nul. Sinon on lui choisit le pire gage, quoi. Non, je vais niquer vos mères aussi, toi, arbitre de merde là. Ok. Oula. C'est bon, j'ai trouvé ton gage. Il va ouvrir cette merde et je vous le dis. Surstroming. Pour faire simple, le surstroming c'est du hareng fermenté et ça a la particularité d'avoir une des pires odeurs au monde. Oh, what the fuck is that shit? Je suis désolé, arbitre, vraiment, fais ce que tu veux. On va lui faire comme tout le monde. Il faut t'avouer, ta moitié part de voilà. Je propose qu'on genre, on lui tire ça, au bien, sort. C'est beau, c'est beau. On lui tire au sort, malgré tout. Non, c'est ça. Jure la vie de ta mère. S'enfermer avec le sort stromique. Alors, ce qu'on va faire du coup, on va se mettre dans la salle multi-tournage, comme ça nous on est à l'extérieur, on peut voir. T'as jamais vu une vidéo de gens qui font ça? Ils font un coup dedans et après ils sont comme ça. Ferme vraiment bien les portes. Hein. C'est vraiment réputé pour être horrible, genre. Donc tu restes bien et tu, voilà, tu kiffes le truc, quoi. Oh, ça m'énerve. Quoi? 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 C'est à ce point-là? Il te reste dedans. Non. Ouvre. Où est-ce qu'il faut ouvrir la boîte. Allez, let's go, let's go. Allez, ouvre-la jusqu'au bout. Vas-y, Théodore, vas-y. Ouvre-la jusqu'au bout. Mais quoi? C'est trop drôle. Les gars, j'ai envie de rentrer, je m'en bats les couilles, faut que je rentre, faut que je teste. Bon, il rentre. Ouvre. C'est le pire truc que j'ai senti de ma vie. C'est horrible. Oh l'odeur. C'est horrible, on dirait un P, mais un P vraiment affreux. Mais les gars, je suis choqué de l'odeur. Non mais faut l'ouvrir jusqu'au bout. Attends, fais attention. Il est fort là. Mec, ça sent le mauvais durian. Non. C'est horrible, c'est horrible. C'est validé pour Théodore, c'est bon Théodore. Tu es prêt à quoi, combien pour goûter? 15 000 euros genre. C'est tout? 150. Ok. Ah. Oh putain, non, j'ai, vraiment j'ai du mal avec ça, je vais vomir. Au final, c'était mon gage, mais tout le monde en a subi les conséquences. Les gars, c'est ma mère, je me suis lavé les mains 3 fois. Non, mais tout le monde cul là. Oh, mais non, tu te l'es mis dans le cul là, gros. Mais mec, je moi c'est bon. Toute la vie, là. Deuxième saut, arbitré toujours par l'excellent Noka. Vous pouvez le retrouver sur Twitch et il aime pas l'odeur. Oui, c'est ça qui pue, qui traîne avec nous là. Mais c'est ça qui pue là. Mais oui. Les gars, let's go. Attends. Jeu d'acteur en français, je joue l'arbitre énervé. Bonjour monsieur, restez vous êtes prêts à le faire de votre écrit. À mon 3, vous allez. Allez, let's go. Non, attends, hop. Wesh. Je suis passé dans le nuage qui pue. Il est dans le c'est de la triche. Je veux le dire? Oui, tire, s'il te plaît. Bien, s'il te plaît. Jordan, je choisis qui va te faire une giga pub sur Insta en story maintenant. Gros, ce sera tu peux me faire la pub? Une bonne pub avec sur Insta. Avec ses bons abdos là. Je vous demande tous maintenant, là tout de suite, d'aller le follow sur Instagram. Je connais pas meilleur influenceur. Validé! C'est moi. Elle est validée, c'est bon. Mais c'est l'iPhone. Je sais pas. Attends, si c'est tout. L'arbitre, l'arbitre. Ne bouge pas. Non. Elle était magnifique la glissade. Ah mais il a plus que passé le verre là. Oh wow. Let's go. iPhone 13. Bah non pas. Putain mais ah ouais, il gagne un iPhone par vidéo. En l'espace de 3 jours, il a gagné 2 iPhone 13 Pro Max. Il a gagné un autre iPhone déjà. Mais dans ma vidéo. Mais frère. Oui, dans toutes les vidéos il gagne l'iPhone. Mais moi j'ai toujours mon lapago de merde, je gagne que dalle. Putain, ça pue la merde en plus. Oh, les gars, je vais pas mettre l'iPhone 13 a été gagné. Waouh. Attends, on peut l'applaudir quand même. Ouais, bon. Franchement,
Si on dépasse le vert maintenant, ce sera dans le pot vert. Les gars, je peux mettre 3 et 4 iPhones. Radar. T'es mal à la taille du rat. Let's go. J'ai la tête ouverte. Ouais, il est ouvert. Les gars, comment on fait pour être fort à tous les jeux? Je sais qu'on est pas avoir. Non, sans vous. Genre, moi j'ai le talent, la beauté, les généreux. T'es humble en plus. Ah, et on a besoin de l'arbitre, monsieur. C'est pas fait. Je suis désolé, mais putain, là ça va être chaud, hein, Thomas. C'est pas fait. Je sais pas comment défendre ton cas. J'arrive. On me dit que j'ai une Discord. C'est validé, c'est vert. C'est vert. Ça dépasse. Allez. Oh, bon. Thomas est allé jusqu'au vert. J'espère qu'il a un bon truc. Chacun te fait un compliment sincère, premier degré. Waouh. Moi je peux commencer? Qui commence? Vas-y, tu peux commencer. Tu inspires vraiment un sentiment, un climat de confiance. T'es la personne la plus gentille que je connaisse, t'es la personne la plus pure que je connaisse. C'est bon. T'es ça. La personne. Non, vraiment, toujours souriant, aimable, hyper gentil. Je crois, je sais même pas si je t'ai déjà vu t'embrouiller quelqu'un. Trop gentil, je sais même pas si quelqu'un a déjà voulu t'embrouiller. Quelqu'un a déjà voulu t'embrouiller? Genre quatrième. Non, je suis en sixième, c'était un quatrième. Pour s'embrouiller avec Thomas, faut y aller. Il était comment? Il était comment? C'était une merde. Oh, ah, bah alors. C'est la première fois que Thomas parle comme ça. Tu as un fond extrêmement pur et t'es d'une bienveillance énorme, genre. Et vraiment, là, je peux pas dire mieux que la gentillesse. La gentillesse, elle est incarnée. T'incarnes la gentillesse. Moi, j'ai trouvé en toi un ami de tous les jours qui me fait me lever le matin. Je suis heureux d'aller au travail le matin pour le voir et passer des moments avec lui. Quand il arrive à 17h, c'était ma tante de la joie et de la joie. Tous pour Thomas, je veux des applaudissements dans le Thomas, dans voilà. Le description. Allez, follow dans le commentaire. Thomas Actuan sur Twitch, ouais. Excellent. Wow. C'est à Théodore. Allez, il a rampé. J'ai pas rampé. Ça pioche d'une main innocente. Ça pioche. Ouais. Impartial. Vous avez fait une douille là? Non, y'a rien. Ouais, moi tout à l'heure j'ai eu un rouge, ça s'est bien passé. Hein. J'ai juste des. Oui, ça se trouve, j'ai un bon truc. Lui, il a trop de chance. On fait 25 subs à un streamer. Bon, c'est bien, mec. Je vais les offrir après. Tu donnes les 25. Tu donnes les 25. Ouais, okay. Les offres à toi. Allez, offre-la à Thomas, vas-y. C'est très dangereux. Merci Théodore pour les 25 subs. Merci Théodore, tu régales. On en fait un flash là, instant. J'ai envie de faire quelque chose, on y va à la suite. Mon objectif c'est de toucher le studio de Théodore qui est tout au bout. Je vous le dis, je vais aller jusqu'au bout. Je tape le trépied de la caméra. Ah, il s'est poussé avec. Viens tester maintenant. Ah non. J'ai pas touché le trépied. Le missile, la torpille. Si vous croyez en moi, faites-le parce que je suis sûr que je peux le faire. Allez, Théodorade. Oh là, oh là. Ouais, je peux. Refais. Mon deux orange, un vert, un rouge. Et maintenant, après, pour rentrer, on court sur la bâche. Retez vos. Non, moi je suis. Arrêtez. Quelqu'un va se blesser. Ah, votre église, vraiment bonne invention, les frères. Tu le tires? Ouais. Vas-y, tu tires ton orange. Pour moi, ce sera le vert. Théo orange, Thomas orange et Théodore rouge. C'est bien. Like un truc qui te fait réagir. Quand tu likes un tweet, alors, les gens le voient dans le. Non, c'est moi qui ai donné l'idée. Et en plus, putain, casse les couilles. Tu peux liker genre un tweet de Zemmour. Là, on se sèche et on revient pour déterminer les gages. Récap, Thomas a dû partir parce qu'il avait un train à prendre. Théo a pioché juste avant son gage qui est. Likez un tweet qui fait réagir. Il va le faire maintenant. Et ensuite il restera Théodore pour le rouge, flemme. Et moi pour le vert. Je dis non. Pas flemme. Monsieur l'arbitre, j'ai bien tout dit. Oui. Mon rôle il est vraiment incroyable. Tu viens de chercher hentai porn sur Twitter? Bah, je sais pas. T'as tapé hentai porn vraiment? Il y a forcément quelqu'un qui dit j'adore les hentai. Quelqu'un aurait un bon hentai ou un bon porno à conseiller, tu likes. Ok, vas-y, je like ça. Vas-y. Ouais, c'est bon. Bravo, franchement, félicitations, vous avez liké un super tweet. On passe à Actuan qui n'est plus là. Tu peux le faire pour lui du coup? Vas-y, tiens pour Actuan. Tweet naze mais crédible. Ouais, Thomas, on vient de tirer au sort là ton petit gage orange. Alors, faut que tu tweets un truc nul, naze, claqué, mais crédible. Un truc de follow mass vu qu'il est dans le train. Genre, putain, vous avez remarqué quand on est dans le train, il y a nanana tout le temps. Ouais, ça c'est bien. Putain, c'est trop chiant, vous avez jamais remarqué que dans le train, les toilettes, vraiment, ça sent pas très bon. Ok, ton tweet apparaît tout de suite. Et vous trouvez pas que les usagers du train, ils sont vachement pas agréables? Oh, c'est pour moi, là. T'as une chance sur 15 de tomber sur un truc cool, hein, comme moi, par exemple, descendre des escaliers. Peut-être cool, hein.
Non, c'est pas cool. Croquer dans un piment. J'ai demandé au mec le truc le plus épicé du monde. Il y a marqué extremely spicy. J'ai regardé sur l'échelle de Scoville, qui est l'échelle de du piquant. C'est pas tant épicé que ça. Bon, t'as un merde maintenant. Vas-y, vas-y, faut le faire. Les gars, ça sent un peu les paprika. Ça sent le poulet. Le paprika en vrai. D'un coup. Faut pas que tu réfléchisses. Arrêtez, mais les gars, lève le verre. Mais penche le verre. Là, il est en train de se dire, je suis sonné. Envoyez un truc à manger, envoyez un truc à manger, vraiment. Y'en a 5 cookies dans mon sac secoué. Non, j'ai mangé. Ah, y'en a plus. Bon, après, il a mangé le dernier. Oui, ça date de ce midi. Par contre, la sushi potée, elle est épicée, j'ai une tilté là. Y'a la sauce piquante dans ce bouet là. Oh. Et je peux te cramer la rétine, toi. Ça pique pour de vrai. Tu vois plus rien, hein. Eh oh, ça va. Eh oh. Quoi, Théo? On est là. Théo, on est là. Hop. Voilà son nez. Il t'a plus de nez. Les gars, rendez-moi, je t'entends. Rends mon nez. Tu m'entends? J'ai son nez dans mon cul. Rends mon nez. Tu sens un truc là, Théo? Je l'ai mis quelque part, le nez. Il en reste une dernière qui est mon gain, certainement, parce que je vais aller se gommer. Oh, 200 euros cash. Bah, c'est grave bien. C'est vraiment top. Mais je me mets grave bien, c'est bon, c'est parfait. C'est ma vidéo en plus, c'est ce que j'ai retiré moi. Tu blanchis un peu ton argent là? Ouais, là, j'ai blanchi là. Mais je voulais pas, monsieur le fisc. C'est bon, le FBI, laissez-le tranquille. Ça a été totalement du blanchiment d'argent. Ouais, mais c'est ok, c'est dans le concept. Attends, j'ai mal lu, il y a marqué 2000 euros. 20 000, non? 20 000 euros. Oh, en cash, 20 000 euros. Bon, c'est génial, oh, les gars. Oh, le hasard de fou, le hasard de fou. Liquider toute ma société. Il nous dit reste sans impôts. Il a fait le verre, il ne paye plus d'impôts. On est arrivé à la fin de cette vidéo. J'ai bien aimé, je voulais transformer un couloir en ventriloque. C'est fait. Bah, bientôt tu pourras faire l'épisode 2, tu transformes le couloir en ventriloque. Il comprend pas le français, genre. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Oh, merci, cool, les gars. À la semaine prochaine pour un truc moins dangereux et moins stupide. Tout.